Entrez! Qui est là? C'est moi. J'arrive. Oh, t'es fou! Bah quoi? Je croyais que tu savais que j'étais du sexe masculin. Oh, du long! Oh, mais c'est ravissant ce petit ensemble. Ça te va très bien. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je t'aime plus. Voyez-moi ça. C'est très sérieux. Non, tu m'expliquais ce qui se passe. C'est fini, c'est tout. Elle ne me tutoyait plus. Si je comprends bien, on s'embrasse et puis on se dit où? Je ne plaisante pas, Laszlo. C'est votre mère qui t'envoie me dire ces idioties? Ce ne sont pas des idioties, je ne peux plus vous voir. Oh, c'est un coup de la maman. Je sais bien que c'est inutile de vous demander de parler des gens avec respect. Je n'aime pas que vous employiez ce ton à l'égard de ma mère. Allez. Maintenant, explique-moi ce qui se passe. C'est à cause de ce que j'ai dit ou failli dire au petit déjeuner? Tu t'es montré. Parce que j'ai simplement exprimé ce que tout le monde pense? Non, à cause de Léda. Vous l'avez fait venir ici. Vous l'avez jeté dans les bras de mon père. Il nous est devenu un étranger à cause de vous. Entièrement faux. J'ai déjà dit que je suis venu ici à la suite de Léda lorsqu'elle a décidé de s'installer dans le pays. Nous sommes rencontrés et je t'ai connu. C'est aussi simple que ça. Tout n'est pas de ma faute si ton père est tombé amoureux d'elle. Mais j'ajoute que je l'explique et que je le comprends. Avoue que tu as déjà couché avec elle autrefois. Non. Tu mens. Je ne mens jamais. Et mon père, tu l'approuves? Oui, absolument. Oh oui. Je ne veux plus vous voir, plus jamais. J'espère que demain vous partirez. Écoute. Qu'est-ce que tu fous ici? Non, on parle en français. On nous écoute, plus poli. Je me balade. T'es dans la mouise, hein? Si tu savais mon rire. Alors assieds-toi, je t'offre un verre. Garçon, chef. Deux autres pastis. Deux autres pastis. Ah, attendez, avec des croissants. Avec des croissants. T'as bouffé?